juste pour vendre, faire des expositions dans les marchés, ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a Internet et le e-commerce. Mesdames et messieurs, merci de renouveler votre confiance à votre web émission La Roue. La Roue est une web émission qui met au cœur des thématiques liées à l'entrepreneuriat, à la bonne gouvernance et au leadership surtout. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du e-commerce. Nous revenons après la page en couleur. Entrepreneuriat, comment vendre sur Internet? C'est la principale thématique de cette émission où nous recevons un jeune entrepreneur qui a compris qu'à travers le net, on peut également vendre. Nous accueillons sur ce plateau M. Fadil Boubakari Benhamid. M. Fadil, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ok, merci, monsieur. Vous êtes le président de Benhamid Company. C'est une entreprise qui fait dans la mode. Vous vendez des accessoires sur Internet. Vous avez également comme entreprise Schools Food, où vous distribuez des repas pour les établissements d'enseignement secondaire. Comment vous définissez le e-commerce? Pour moi, d'abord, le e-commerce, c'est un commerce électronique. C'est un commerce électronique qui passe via les réseaux sociaux, à travers cette technologie que nous avons à notre portée, qui est le réseau Internet. Donc, en fait, le e-commerce est tout juste un commerce électronique qui se fait à travers soit un site web ou un réseau social. C'est en fait ça, le e-commerce. Voilà, je rappelle qu'au Cameroun, l'État a pris en compte ce commerce, le e-commerce, à travers la loi de décembre 2010 sur le commerce électronique. Mais également, en 2011, le Premier ministre a signé un décret qui encadre le commerce électronique. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le e-commerce? Premièrement, d'abord, avant que je me lance en entrepreneuriat, j'étais d'abord un jeune leader. Et par exemple, en se lançant en entrepreneuriat, le jeune, tout jeune par exemple, n'a pas assez de fonds pour lancer une entreprise. Et c'est comme ça que débute mon histoire entrepreneuriale, où j'ai d'abord, à partir de mon smartphone, j'ai créé une page Facebook d'abord. Je me suis formé à travers les réseaux sociaux. Et tout d'un coup, alhamdoulilah, l'entreprise commençait à évoluer. Et je pense que c'est la meilleure étape adaptée aux jeunes, parce que ça ne demande pas assez de fonds. Coucher même sur son lit, on peut avoir toute une entreprise et gagner des millions aussi, c'est possible. Avoir toute une entreprise, gagner des millions quand on est chez soi, vous vendez sur Internet. Lorsqu'un client clique sur un produit que vous devez livrer, souvent à la livraison, on constate qu'entre ce qu'on a commandé et ce qu'on nous a livré, c'est la nuit et le jour. Comment vous expliquez ce phénomène? En fait, ici, c'est un phénomène-là beaucoup plus. Ces entreprises qui le font, là, c'est le fait d'embellir les produits, mais ça découle d'un manque de confiance du produit, même de l'entreprise, de l'entrepreneur, par exemple. L'entrepreneur n'a pas confiance à son produit et il embellit. Toutefois, il commence à embellir ses produits et là, ça devient un frein pour son entreprise parce que nous connaissons toujours en entrepreneuriat, tout produit est bon.
Par exemple, on ne peut pas produire quelque chose qui n'a pas un client. Et là, ça ne doit pas faire en sorte que l'entrepreneur puisse embellir son produit tout juste seulement sur la toile Internet. Et maintenant, si le client n'est pas satisfait du produit, là, ça crée vraiment un problème. En fait, pour un entrepreneur, le produit, il doit le laisser étant réel. Même s'il y a des touches quand même qu'on doit rapporter dans ce produit, mais le produit doit rester toujours réel. Pas le fait de prendre, par exemple, un produit sur Google et venir l'afficher alors que ce n'est pas le même produit que l'entrepreneur a quand même à sa portée. Là, ça devient un frein pour lui et ça peut constituer vraiment d'énormes problèmes pour son entreprise à la longue. C'est une arnaque. Oui. D'ailleurs, je rappelle que la loi, le décret d'application de la loi de 2010, le décret de 2011, signé par le Premier ministre, stipule en son article 5 qu'il faut une adresse électronique pour toute entreprise qui fait du commerce en ligne. Il faut également un numéro de téléphone de la personne qui détient l'entreprise. Il faut également le prix du bien, les caractéristiques essentielles du produit, parce qu'on ne peut pas vendre quelque chose qu'on n'a pas les caractéristiques essentielles. Ça conduit à ce que je disais tout à l'heure, qu'entre ce qu'on a commandé et ce qui est livré, c'est la nuit et le jour. Revenons à votre cas. Est-ce que vous avez suivi une formation dans le cadre du commerce électronique? Je ne pense pas que de nos jours, avec la portée d'Internet, qu'on puisse se déplacer peut-être pour aller se former ailleurs ou quoi. À travers toujours le téléphone, un smartphone, on peut toujours se former. Tu peux être là à Maroua, mais tu as des formations qui viennent tout droit de Chicago. Donc ça, c'est une portée que la technologie nous a offert. Et nous devons prendre aussi cela en considération, l'utiliser, parce que nos parents, ils n'avaient pas cette occasion d'utiliser des téléphones ou de la technologie pour vendre. Là, avec eux, c'était le marché. Et actuellement, de nos jours, si tu n'es pas représenté sur les réseaux sociaux, je pense que ton entreprise a plus de pourcentage de chuter ou de mourir même si tu n'es pas représenté sur la toile Internet. Représentation sur Internet. Je vous ai rapproché des autorités pour signaler que nous avons une entreprise. Pour le moment, nous sommes en tant que start-up et nous comptons bien le faire dans les mois à venir. Oui, je rappelle que la loi de décembre 2010 sur le e-commerce stipule en ton article 3 que le e-commerce, le commerce électronique, est une activité libre. Donc on peut exercer, mais à partir de certains canevas, on est obligé de s'enregistrer sur le registre du commerce, du ministère du commerce, pour pouvoir faire dans cette activité. On va prendre une pause avant de revenir sur ce plateau. Sur ce plateau où nous parlons ce soir du commerce électronique. Nous avons comme invité M. Fadil Moubarak Ben Hamid, fondateur de la start-up Ben Hamid Company, qui fait dans la vente des accessoires ici dans la ville de Maroua. Que dis-je? Partout dans le monde, parce que Internet est accessible pour tout le monde. Monsieur Ben Hamid, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ce commerce? Je ne pense pas qu'il y ait une activité où on ne rencontre pas de difficultés. S'il y a une activité où on ne rencontre pas de difficultés, ça prouve qu'il n'y a pas d'activité quand même. Et là, les différentes difficultés que nous rencontrons avec le e-commerce, par exemple, vu que nous ne sommes pas représentés physiquement, cela aussi crée un ennui parce que notre communauté aussi n'est pas habituée au virtuel.
Donc nous sommes toujours là, aller voir des produits physiques. Et là, les difficultés, par exemple, viennent au niveau du manque de confiance que le client développe. Il pense que la plupart des boutiques e-commerce font dans l'arnaque ou l'escroquerie, alors que ce n'est pas la même chose. Certes, il y en a des boutiques e-commerce qui font de l'arnaque à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout quand même. Il y a d'autres qui sont vraiment sérieuses. Et là maintenant, par exemple, moi j'ai développé une confiance entre moi et ma clientèle, par exemple. Quand un client me contacte, je lui dis que je sens en lui le fait qu'il n'est pas confiant. Là, je lui dis que non, il faut garder ton calme en patience. Là, par exemple, tu peux aller cliquer dans notre page, voir nos activités, nos produits, des commentaires des clients. Et maintenant, vous pouvez revenir et je vous assure que dès que vous allez avoir le produit, vous serez vraiment satisfait. Si c'est un client, par exemple, qui se retrouve dans la ville de Yaoundé ou Douala ou Ngaoundéré, où nous avons des représentations, là, nous mettons tous le client en contact avec ces personnes-là. Et dès que le client est en contact avec ces personnes, si, par exemple, il y a des produits disponibles dans ces villes-là, automatiquement, le client voit déjà une confiance en nous. Et le client peut remettre son argent et nous lui livrons le produit. Mais par contre, il y a d'autres clients quand même qui sont vraiment réticents. Il va essayer beaucoup de douter. Mais là, ce qu'on va dire, c'est quoi? Par exemple, il peut faire la moitié, faire le dépôt de la moitié du prix et ensuite finir la transaction dès qu'il sera livré. Et là, il confirme que non, vraiment, il y a du sérieux. Et prochainement, avant même qu'il ne passe la commande, des fois, certains clients nous disent que j'ai déjà déposé de l'argent dans votre compte, vous allez tout juste vérifier, je veux tel produit, tel produit. En fait, c'est un travail que l'entrepreneur doit vraiment mettre sur pied, le fait de développer une confiance entre lui et la clientèle. Et c'est pas un petit boulot, c'est un boulot qui demande vraiment de force, de courage et vraiment de vivacité. Donc j'invite les jeunes qui veulent se lancer dans ce commerce de ne pas se décourager, parce qu'il y a des moments, vraiment des moments forts qui viendront. À un certain moment, le client peut-être peut vous lancer des mots qui ne sont pas bien placés, mais ne considérez pas ça. Le plus important, c'est de satisfaire cette clientèle et de te faire des revenus. Ok. À l'entente de l'émission, j'ai parlé des entreprises, des startups que vous avez créées. Oui. Est-ce que vous pouvez les présenter brièvement en deux mots? Ben Hamid Company et School Food. D'accord. Ben Hamid Company est une entreprise qui fait dans le vestimentaire, dans la mode africaine. Et nous avons comme produit les ventes des basins riches, des pains, des bonnets chéchia traditionnels, des babouches et une institut de couture pour la confection des vêtements et un pressing. Et d'ici quelques mois, nous allons mettre à la disposition de la population de Maroua notre premier showroom où le client va pouvoir obtenir tous nos différents produits. Donc d'ici quelques mois, l'entreprise sera mise sur pied à Maroua. Oui. Et concernant la deuxième, c'est une entreprise spéciale. C'est un fast-food très spécial. En fait, ce fast-food, nous sommes beaucoup plus concentrés sur la livraison dans des établissements secondaires. D'où le nom School Food. Littéralement, c'est école, nourriture, donc c'est qu'ils font en sorte que ça donne la nourriture d'école. Et là, c'est une touche d'innovation parce que cela ressort d'une histoire que j'ai vécue, c'est mon vécu. Ma première année à Maroua, dans un établissement secondaire, j'arrive, je demande où est située par exemple la cantine. On me dit qu'il n'y a pas de cantine ici. J'arrive au marché. Et je me retrouvais avec des plats qui n'étaient pas à mon goût. C'était pas quand même la même chose que j'avais du côté du sud.
où j'ai fait plus, la plupart de mon cursus secondaire. Donc j'ai rencontré ce problème-là où je n'arrivais pas à très bien m'alimenter dans un établissement, vu qu'on sait aussi que le ventre qui est vide n'a point d'oreille aussi, comme on le dit. Donc là, je me suis dit que voilà vraiment un problème que la jeunesse rencontre. Et ce n'était pas moi seul, c'était avec plusieurs camarades. J'ai essayé de recenser des informations chez les camarades. Ils ont dit que c'est le même problème qu'ils vivent. Et j'ai dit que waouh, cela peut être quelque chose de génial dans la mesure où je peux gagner de l'argent et dans la mesure aussi j'apporte une solution au problème, au problème que vivent les jeunes. Et c'est d'où je lance School Food, qui est ma deuxième structure. Oui. Vendre des produits de la mode sur Internet, des repas pour le compte des établissements d'enseignement secondaire, ce sont des innovations, des opportunités que ce jeune a compris et a pu saisir. Et c'est dans le même cadre que nous invitons la jeunesse à saisir l'opportunité que nous offre FIPA. L'organisme FIPA organise une formation sur l'entrepreneuriat. Pour vous inscrire, contactez le numéro 697-76-70-67. Le 697-76-70-67. Durant la formation, vous obtiendrez les clés pour pouvoir créer une entreprise, mais également des clés pour pouvoir financer votre projet d'entrepreneuriat. Nous tirons vers la fin de cet entretien au niveau du restaurant Pyramide, non loin du Carrefour Djarma, au cœur de la ville de Maroua. Quels sont les secrets ou les exigences de la vente en ligne? Par exemple, là, les secrets et les exigences de la vente en ligne, là, c'est un travail que l'entrepreneur doit vraiment travailler. Il doit développer une confiance, il doit développer l'image de son entreprise ou de son produit, parce qu'un produit aussi qui n'est pas agréable à la vue aussi ne sera pas sollicité. Je prends un cas pour quelqu'un qui fait dans la production comme des jus et qu'il mette ses jus dans des bouteilles déjà recyclées mais qui n'ont pas un excellent branding. Je ne pense pas qu'il aura des clients, mais par contre quand la bouteille est très bien faite, le branding il est excellent, là automatiquement il vend déjà l'image de son produit et les résultats seront bons. Il faut développer une confiance et l'image de son entreprise et beaucoup travailler sur les notions entrepreneuriales telles que aussi le courage, la confiance en soi, beaucoup de travaux qu'il doit effectuer et il ne doit pas baisser aussi les bras parce que la bataille n'est pas facile. Parce que tout jeune qui va se lancer en entrepreneuriat, il ne faut pas qu'il s'atteigne seulement à ce que tout soit clair ou rose. Facile. Facile. C'est une jungle où il y a tu deviens soit tu es la proie, soit tu es le prédateur. Donc c'est à toi de prendre une position alors dans cette jungle. Ok, vous avez un site internet? Oui, nous avons un site internet, c'est le www.benhamiscompany.com. Pour oui. La livraison? Pour la vente et la livraison et les produits de la mode. Oui, de la pour mode. Pour ce qui est du School Food? Pour ce qui est du School Food, nous aurons d'ici quelques jours, parce que nous travaillons toujours sur l'image de l'entreprise, nous aurons une page Facebook et un compte Instagram. Et par la suite, nous allons développer d'autres réseaux sociaux. Monsieur Fadil Moubarak Benhamid, merci d'avoir répondu à l'invitation du programme La Roue. Merci, monsieur Ousmane. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir répondu à ce programme. Je rappelle que vous êtes fondateur de deux start-up. La première, c'est Benhamid Company et la seconde, c'est School Food. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. L'émission La Roue qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention.
qu'il faut également soutenir en s'abonnant premièrement sur la page, en likant la vidéo et en la partageant. Retrouvons-nous très prochainement.